Paris, t'as marqué un super but, la reprise sur pivot. Comment tu te sens physiquement depuis le début du stage? Physiquement, c'est un match très dur, c'est normal. On connaît la qualité des Anglaises. On a su répondre, on a eu des hauts, des bas pendant le match, mais on va corriger ça et on va y retourner mardi. Vous avez été hyper efficace, peut-être plus encore que ces derniers matchs. Comment t'expliques ça, ce changement? On savait que ça allait être un match très difficile, où il fallait pas en louper beaucoup. C'est ce qu'on a fait. On a marqué sur la popularité, ce qui est, je pense, une de nos plus grosses forces. Et pour ce qui est dans le jeu, on va continuer de travailler. Ça va rentrer à un moment donné. Au niveau du scénario, vous renversez quand même cette équipe d'Angleterre chez elle, parce que ça donne un boost de confiance supplémentaire. Oui, franchement, c'est super. Les renverser chez elle, dans un très beau stade, un très beau public, face aux champions d'Europe, les champions du monde, c'est très très costaud. Après, on a un deuxième match, mais si au tirage au sort, on nous avait dit qu'on allait faire un 3 sur 3, franchement, on ne l'avait pas imaginé et on est très contents. Hervé dit que vous avez envoyé des signaux un peu avec ces trois victoires en battant la Suède à domicile, en Angleterre et chez elle. Pareil, non, sur ça, je suis d'accord. Parce que je pense que personne ne nous attendait là, mais on a gardé confiance. Confiance en nous, confiance en notre groupe, en notre travail, en notre staff. Et je pense que oui, maintenant on va nous voir autrement. Dans ce groupe, on n'aura que des gros matchs, on le sait. Et le plus important, ce sera de se qualifier pour champion de l'Europe. Les coachs disaient qu'ils étaient contents de tous les efforts que tu avais fait ce soir pour le groupe. Il y a de la fatigue pourtant quand même là. Ouais, franchement, ça faisait des années que j'avais pas autant couru. Hein. Sincèrement, c'était un match avec beaucoup d'efforts. Je m'y attendais, c'est pas facile du tout. C'est un match où un match quand t'es attaquant qui t'aime pas beaucoup, mais je pense que c'est très important quand même. Très important pour l'équipe, pour ce genre de match. Marie-Antoinette, ce sont des matchs qui manquent dans le championnat de France quand tu joues ici contre les Anglaises. Parce que vous dites physiquement, c'est beaucoup plus dur. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est un match de niveau international. C'est pas pour dénigrer le championnat de France qui est très bon aussi. Mais ce sont des matchs complètement différents. Et c'est aussi un boost pour déjà les Jeux Olympiques? Bien sûr, parce que jusqu'au JO, je pense qu'on aura et on a eu que des gros matchs cette saison. J'en ai l'impression et je pense que ça, c'est très très bon pour les Jeux Olympiques.